Merci de suivre ce 20h sur la RTNC. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres, c'est confirmé. Félix Tshisekedi prêtera serment le 20 janvier prochain pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Une équipe du greffe de la Cour constitutionnelle lui a remis la notification de son arrêt de victoire. Et puis la 45e édition de la Foire internationale de Kinshasa a bien vécu un mois durant, avec comme thème FIKIN 2023, la renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent. La clôture s'est déroulée sur la place échangeur de Limété. Et enfin, pas une seule goutte d'eau ne coule des robinets de Sangamamba, commune de Mongafula. Depuis bientôt 5 mois, les causes, ce sont les tuyaux déterrés lors de la réhabilitation de la route Bumba, chose que déplore à son tour la régie des eaux. Voilà pour l'essentiel. C'est officiel. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, vient de recevoir d'une équipe du greffe de la Cour constitutionnelle la lettre de notification de son arrêt de victoire à la présidentielle du 20 décembre dernier pour un nouveau mandat de 5 ans. Il prêtera serment le 20 janvier prochain. Giscard Kousséma, bienvenue Kabamba. Reportage. 48 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle, à travers son greffe, est venue notifier le gagnant parmi les 26 prétendants à la magistrature suprême. Comme tout élève brillant, les meilleurs lauréats a reçu demain des auxiliaires de la haute juridiction la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024, signé par tous les juges de la Cour constitutionnelle. De sa propre main, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accusé réception du précieux sésame qui lui permet de rempiler pour les 5 prochaines années. Témoin de cette brève cérémonie administrative aux côtés du directeur de cabinet, Maître Jacquemin Chabani s'est félicité de l'aboutissement heureux de cette procédure. Aujourd'hui, la Cour, à travers son greffe, a signifié aux vainqueurs des élections présidentielles l'arrêt qui proclame définitivement M. Félix-Antoine Tshisekedi vainqueur des élections présidentielles. Donc c'est toute la symbolique et c'est pratiquement le dernier acte avant la prestation de serment qui aura lieu en principe le 20 décembre. Toute la procédure légale ayant été respectée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à prêter serment devant la Cour constitutionnelle le 20 janvier courant, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de plus de 80 000 Congolais réunis au stade des martyrs de Kinshasa. 4 ambassadeurs plénipotentiaires avec résidence à Kinshasa ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs de l'Union européenne, de la Grèce, du Japon et de la Corée du Sud. Présence remarquée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la conseillère diplomatique du chef de l'État à Congolais. Reportage de Patrick Michel Mukui et de Kazo Kazadi. C'est officiellement le premier acte pris par le président de la République, 48 heures seulement après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Ce jeudi au Palais de la Nation, 4 ambassadeurs plénipotentiaires, dont un multilatéral et 3 bilatéraux, ont présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi leur lettre de créance. Le multilatéral, le voici, Berlanga Martinez Nicolas. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo était jusqu'à sa récente nomination coordonnateur principal de l'Union européenne pour la sécurité maritime dans les golfes de Guinée. Diplomate depuis 2002, Berlanga Martinez a déjà occupé à 2 reprises le poste d'ambassadeur de l'Union européenne, notamment au Togo de 2013 à 2017 et en Somalie entre 2019 et 2021. Hidetoshi Ogawa, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, avait lui déjà pris résidence à Kinshasa depuis le 16 décembre dernier en attente de la présentation de ses lettres de créance. Ministre, chef de mission adjoint près l'ambassade du Japon en Belgique et la mission du Japon auprès de l'OTAN depuis 2020, le natif de Tokyo et licencié en droit public a débuté sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères il y a 32 ans.
Le désormais nouvel ambassadeur de Grèce en poste à Kinshasa, lui, a bien plus qu'une relation diplomatique avec la RDC. Natif de Bounia dans la province de l'Ituri, Antonio Papadopoulos est diplômé d'études supérieures économiques de l'Université d'Athènes, en Grèce. Avant d'être appelé par sa patrie pour servir comme ambassadeur en RDC, il était depuis le mois de janvier 2023 ministre plénipotentiaire, directeur de la direction de relations économiques bilatérales avec les pays de l'Europe du Sud-Est, la Russie, la Biélorussie, les pays du Caucase et de la mer Noire. Yong Ong-gun, c'est le nom de ce diplomate qui va désormais assurer le maintien de meilleures relations bilatérales qu'entretiennent la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. La carrière professionnelle de ce diplomate a débuté en 1993 après sa réussite à l'examen de haute fonction de l'État. Il va par la suite remplir les postes de conseiller dans plusieurs ambassades, notamment en Mongolie et au Danemark. Depuis 2021, il occupait le poste de ministre et consul général à l'ambassade de Corée du Sud au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Comme les cinq dernières années, la République démocratique du Congo poursuit son bel élan de redynamisation de sa diplomatie, caractérisée par le respect mutuel et la franchise pour une collaboration juste et fructueuse. La République démocratique du Congo consolide davantage ses relations avec la Guinée équatoriale. Elle a été récemment nommée. Jocelyne Lukundula, ambassadeur de la RDC, a présenté ses lettres de créance au président Obiang Nguema. Elle entre ainsi officiellement en fonction. Doris Mozo. Malabo, 4 janvier 2024, l'ère de la diplomatie proactive initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'illustre clairement dans la nomination de son Excellence, Madame Jocelyne Kabengele Lukundula, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Guinée équatoriale. Présentant ses lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale, au Palazzo del Pueblo, dans la capitale Malabo, sur l'île de Bioko. Cette nomination symbolise une étape cruciale dans la consolidation de relations bilatérales entre les deux pays, avec le président Obiang, au cours de laquelle les échanges ont porté sur des perspectives concrètes de renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs. Titulaire d'un master en business communication de l'École européenne de communication de Bruxelles, l'ambassadeur Kabengele Lukundula affiche un parcours professionnel remarquable. Elle a amorcé sa carrière dans le secteur privé, occupant le poste de directeur de relations publiques à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Par la suite, elle a consacré une décennie aux Nations Unies avant de rejoindre le siège de la SADC en tant que diplomate chargé de la communication interne, cumulant deux mandats consécutifs. Avant de s'envoler pour Malabo, elle a été conseillère en charge de questions de paix et de sécurité en Afrique au sein du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula à Palapenapala. Madame Jocelyne Kabengele Lukundula est mariée, mère de 4 enfants. Le président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale sera présent à la cérémonie d'investiture du chef de l'État congolais le 20 janvier prochain. Le représentant permanent de la CEAC en a fait l'annonce à l'issue d'un face-à-face avec le ministre congolais de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi. Un reportage de Sylvie Moembo. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit plusieurs encouragements et messages de félicitations de ses homologues africains. Bonjour et bonne année. Le dernier en date est celui du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est dans une correspondance officielle que M. Daniel Pascal Elono, ambassadeur et représentant permanent de la Communauté économique des États d'Afrique centrale en RDC, est venu présenter la lettre de félicitations du président de la dite organisation économique sous-régionale auprès du ministre d'État en charge de l'intégration régionale. La République démocratique du Congo, d'abord, vous devez le savoir, est l'un des États fondateurs
de la CEAC, dont la CEAC entretient d'excellentes relations avec cet État membre. Nous sommes là pour travailler davantage pour que ces relations se renforcent. Entretenant des bonnes relations avec la République démocratique du Congo, l'ambassadeur permanent de la CEAC a annoncé également la présence du président en exercice de la dite organisation à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévue ce 20 janvier 2024. Le président de la commission de la CEAC a été invité officiellement. Et je peux, à travers votre micro, dire que le président de la Commission sera bel et bien présent à cette cérémonie d'investiture du 20 janvier 2024. Absent de la capitale lors de la disparition tragique de l'un des observateurs de la CEAC, le patron de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et c'est une toute première participation de l'autorité de régulation des marchés publics à la foire internationale de Kinshasa. L'occasion également de vulgariser la loi sur la passation de marchés publics. Rikindjoziloer. Ouverte le 10 décembre 2023, la foire internationale de Kinshasa FIKIN a vécu avec une toute première participation de l'autorité de régulation des marchés publics. L'ARMP, établissement public à caractère administratif, avait également monté un stand où l'on pouvait retrouver plus d'une dizaine de recueils et textes légaux sur, entre autres, la création, l'organisation et le fonctionnement de l'ARMP qui est placé sous l'autorité du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. L'historique des décrets fixant modalités d'approbation des marchés publics, le taux des redevances, des régulations et autres circulaires portant diverses applications. Les visiteurs se sont imprégnés également de l'historique de l'ARMP qui remonte en 2001 avec l'avènement de la reprise de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et les partenaires bi- et multilatéraux, notamment les institutions de Bretton Woods. Avec plusieurs missions, dont celle d'émettre les avis conformes des propositions et recommandations dans la passation des marchés. C'est sans se passer de la promotion des dispositifs d'éthique par l'ensemble des acteurs de la commande publique. À la clôture de ces activités foraines, ce mercredi 10 janvier 2024, à la place de l'échangeur, Arma Chamala Kanyinda et Benoît Kalikat Kayembe, respectivement président du conseil d'administration et directeur général par intérim de l'ARMP, ont animé une émission de vulgarisation avec les équipes de la radio-télévision nationale congolaise envoyée à la FIKIN. Justement, je vous l'ai dit, en direct de la foire internationale de Kinshasa, la RTNC a reçu en interview exclusive le directeur général et le président du conseil d'administration de la RMP. Ils ont parlé de l'importance des marchés publics. Extrait. Allô. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à la foire. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, qui est là, un décor planté, un plateau spécial offert à l'autorité de régulation des marchés publics en sigle ARMP. Médard Mbouyal. Le contexte est bien donné. Le premier élément, c'est l'année civile. Nous sommes en janvier 2024. Le budget de l'État a été promulgué. Vous savez que le budget de l'État représente un outil important pour l'ARMP. Donc avec vous, nous allons parler du marché public. Le marché public perçu d'abord comme un fait social, mais le marché public aussi comme une institution publique. Et commençons par le marché social, le marché public comme institution publique. C'est quoi, M. Arma Chamala? Effectivement, c'est une institution qui était peu connue, mais nous faisons l'effort. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec vous. Une petite anecdote, c'est que quand j'ai été nommé à la tête du conseil d'administration,
il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, écoutez, vieux, donnez-moi seulement le marché de liberté pour que je gère. Donc, dans l'imaginaire populaire, les marchés publics, c'est comme le Zando, le Gambela et tout ça. Mais non, le marché public, c'est un contrat. C'est un contrat passé par le gouvernement ou une institution gouvernementale avec un partenaire, avec un fournisseur de services ou de travaux. Donc, toute commande passée par le gouvernement au niveau provincial ou au niveau central ou par une entité gouvernementale, c'est un marché public qui est régi par des lois spécifiques et des règlements spécifiques. Les missions de l'ARNP sont les suivantes. La mission importante, c'est la régulation du système de la commande publique. Et cela signifie quoi? L'ARNP a cette mission de réguler tous les marchés de la République démocratique du Congo, ainsi que les contrats de partenariat public-privé. Ça, c'est la première mission. La deuxième, vous avez la sensibilisation, la formation, la vulgarisation, ainsi que les audits et enquêtes à tout ce qui concerne les marchés publics et la commande publique. La 45e édition de la FIKIN a bien vécu un mois durant sous la direction de Didier Kabamba-Mpele, avec comme thème FIKIN 2023, la renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent. La clôture s'est déroulée sur la place échangeur délimitée. Béatrice Chaco. La foire internationale de Kinshasa reprend peu à peu ses marques et sa place dans l'agenda des vacanciers. Cette activité de la 45e édition foraine rentre dans le cadre de la mission et objectif social dévolu à la FIKIN avec comme pilier la promotion des biens et services dans un cadre de divertissement pendant les festivités de fin d'année. Didier Kabamba-Mpele, directeur général de la FIKIN, a clôturé la 45e édition foraine. 10 ans, il n'y a plus jamais eu une seule édition foraine. Il fallait mettre fin à la léthargie qu'il y avait pour que les Congolais reviennent aux bonnes habitudes et que cette 45e édition foraine ait lieu. Et vous allez voir, il y en a qui sont au courant, qu'au mois de juillet, encore à la 46e édition foraine, il y aura beaucoup d'exposants en matière d'exposition et aussi en matière culturelle et artistique, il y aura tous les partenaires présents. Donc les élections n'étaient pas un obstacle. Et donc les Congolais étaient contents, les enfants ont joué et les exposants ont vendu. C'est une fierté pour toute la République. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le rendez-vous est pris pour 2024 avec une FIKIN qui renaît de ses cendres. Retenez aussi que le fonds de promotion de l'industrie vient donner un coup de pouce aux zones économiques spéciales de la RDC, une façon de renforcer la viabilisation de ces zones économiques avec un joli paquet de plus de 600 000 dollars américains. Eric Kabamba. Développement de zones économiques spéciales en RDC, un chèque de 625 000 dollars américains a été remis ce jeudi au directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimouchi Sekedi, pour renforcer la viabilisation des zones économiques spéciales dans le 6 espaces industriels que compte la RDC. Le financement des zones économiques spéciales augure la diversification de l'économie congolaise, a fait entendre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, qui a aussi remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, considéré aujourd'hui comme le père de l'indépendance économique de la RDC. Si les Dio Lumumba Kasavu avaient milité pour l'indépendance politique de ce pays, la personne aujourd'hui qui a la palme d'or, dont il faut reconnaître le travail, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, parce que lui, son cheval de bataille, c'est plus l'indépendance politique au nom de lui, mais c'est désormais l'indépendance économique. Grâce à ces financements, la viabilisation des zones économiques spéciales sera renforcée, a déclaré de son côté le directeur général de l'AZES. Les finances que nous avons eues aujourd'hui vont nous permettre déjà de commencer
à faire certaines choses, notamment dans la mise en œuvre des premières zones économiques spéciales. Et sur instruction du ministre de l'Industrie, le Fonds de promotion de l'Industrie va désormais renforcer son appui dans le développement de zones économiques spéciales durant ce deuxième mandat du président de la République. Mandat axé essentiellement sur les actions concrètes. Et parlons de la sécurité aérienne en République démocratique du Congo. Marc Kila, ministre des Transports et Voies de Communication, veut reconquérir l'espace international et renforcer la sécurité aérienne au pays de Félix Tshisekedi. C'est le but de l'atelier détaillé dans ce reportage. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, maître Marc Ekila Likombo, a initié la tenue d'un atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC. Avec comme thème principal, quel plaidoyer pour sortir le pays de la liste noire, les travaux qui ont lieu du 11 au 13 janvier 2024, soit à 3 jours, ont été lancés par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emanuela Bolombo, représentant la vice-ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Séraphine Kidoubou Koutouna, empêchée pour des raisons d'État. Cette dernière, désignée par le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, maître Marc Ekila Likombo, président de ces assises organisées au crèche. Durant cet atelier, les participants ont pour mission de cibler les actions phares à mener de façon à renforcer davantage la sécurité de l'aviation civile en RDC et à déterminer le type de plaidoyer qu'il faudrait pour une reconquête inclusive de l'espace aérien international dont les effets sur l'économie nationale ne sont plus à présenter au regard de la demande que représentent les passagers résidents et non résidents. Un objectif pour la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne reste pas moins vrai qu'au cours du premier mandat de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la RDC s'est évertuée à améliorer son niveau de supervision de la sécurité et de la sûreté dans ce domaine. Ce résultat atteste par le relèvement de la cote du pays d'un score de 50% obtenu en 2018 à 64,7% en 2023, suivant les conclusions de la dernière mission d'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale et probant à ce sujet. Sous le coup de l'exclusion de l'espace aérien européen depuis 2006, à ce jour, au ministère de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, maître Marc Ekila Soba, Coréam, avec les différents services sous sa tutelle, en orientant tous les efforts vers la sortie du pays de cette liste noire qui touche les compagnies aériennes congolaises. Il faut signaler que les participants à cet atelier sont tous des acteurs du secteur de l'aviation civile en RDC, ainsi que les compagnies aériennes domestiques privées. La Régie des voies aériennes a deux nouvelles têtes dirigeantes, le DG Léonard Ngoma et le DGA Louis-Blaise Londolé. Ces derniers ont officiellement pris leurs fonctions en présence du président du conseil d'administration de cette entreprise, Kinke Mulumba, et du représentant de la ministre du portefeuille. Reportage, Paulette Tumba. C'est à l'issue de l'Assemblée générale de l'année 2024, présidée par son président du conseil d'administration, Trifon Kinke Mulumba, que le nouveau comité de gestion de la régie des voies aériennes, dirigé par Léonard Ngoma Mbaki et Londolé Louis Blaise, ont pris officiellement leurs fonctions. Une remise reprise entre le sortant et les entrants qui s'est déroulée à l'aérodrome de Ndolo. Dans son mot, le nouveau patron de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, place son mandat sous le signe de la renaissance de la régie de voies aériennes avec un accent particulier sur la modernisation des aéroports internationaux et nationaux selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en notre modeste personne. Nous saisissons cette opportunité pour saluer à juste valeur les travaux abattus
par les comités sortants. Nous sommes tous persuadés que nous ne pouvons pas se développer dans l'anarchie, ni dans la division et querelle. Mais nous nous développerons dans l'ordre et avec les efforts des uns et des autres en travaillant en synergie. Le ministère du portefeuille a été représenté par Stéphane Chilumba, conseiller supérieur. Le PCA Trifon Kinké a invité le nouveau mandataire à plus d'abnégation pour répondre aux exigences de la nation. Et nous ouvrons le volet santé de ce journal. Le ministre de la Santé publique satisfait des travaux des annexes du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamaïmo. Roger Kamba vient donc d'y effectuer une visite d'inspection. Edith Chala. Ce bâtiment de quatre niveaux est l'annexe du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-hôpital de référence de Kinshasa, inauguré il y a peu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a voulu s'assurer de l'évolution des travaux sur ce chantier qui est dans sa troisième phase. Le ministre des tutelles, après la présentation du plan de construction par l'architecte, le ministre de la Santé a donné des instructions précises pour des modifications à apporter sur cette infrastructure afin d'assurer une bonne prise en charge des malades, comme veut le président de la République à travers son programme de couverture santé universelle. Le président de la République s'est engagé à ce que cet hôpital soit donné à la population de manière complète. La première phase, comme nous l'avions dit, fait déjà plus de 500 lits. Et je répète, c'est l'équivalent de deux fois Ngaliema. C'est la première phase. Mais il reste encore les autres phases. Et là, je viens m'enquérir avec le DG de Besseco sur l'évolution de cette phase qui est en cours, qui va aussi ramener à peu près 400 lits au total. Là, on est en train de mettre en place la direction, tous les services qui doivent opérationnaliser l'hôpital. 550 lits, je vous rappelle, c'est plus que Ngaliema, c'est deux fois comme Ngaliema. Donc ça doit fonctionner. Ça va déjà commencer dans deux ou trois semaines, ça va commencer. Le centre hospitalier universitaire Renaissance contiendra 2500 lits au total, dont 550 déjà réceptionnés, puis s'en suivra 400 autres lits. Les travaux seront exécutés jusqu'au mois de juin prochain. Ce nouvel hôpital fait partie du système de couverture santé universelle. La construction du centre hospitalier universitaire de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de rénovation des structures sanitaires de la RDC exécutées par le bureau central de coordination, BSECO. Une bonne nouvelle, et c'est une première dans l'histoire de la médecine congolaise. Un bébé né prématurément avec 500 grammes de poids présenté au centre Moncolé après 75 jours de prise en charge. Le nouveau-né peut commencer sa vie familiale et pèse déjà 1600 grammes. Marie Kalong. Plus besoin d'aller vers d'autres horizons lorsque ça semble être compliqué. Un bébé de 500 grammes vient de voir le jour pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Cet exploit de la médecine pédiatrique a eu lieu à l'hôpital général de référence de Mongafula, Moncolé. Et j'espère qu'on aurait à réaliser l'exploit de 500 grammes à 25 semaines. Et si cet enfant rentre aujourd'hui à la maison, nous le devons principalement à vous d'abord, vous parents. Nous allons continuer évidemment le cheminement ensemble pour sa croissance jusqu'à sa préscolarité. La prise en charge de ce primat a été assurée avec dextérité, tel que l'explique Dr Gisèle Kazadi. La première des choses, c'était le fait que la dame était suivie. Quand elle a eu des complications, elle est vite arrivée à l'hôpital. Et avec ça, on a pu amorcer la prise en charge en commençant avec la maturation pulmonaire par la corticothérapie anténatale, puis le passage du petit prément en néonatologie, l'oxygénothérapie à pression positive par le CPAP, puis la prise en charge de l'infection, puis l'alimentation par voie parentérale, puis par voie entérale, et les soins de développement, et puis les suppléments. Et après, c'était la participation de la maman par tout ce qui est la méthode peau à peau, et avec ça on a pu avancer par des petits pas pour aboutir à la journée d'aujourd'hui. Sa maman, primée part de son état, a cru avec une ferme assurance que cet enfant qui est venu après interruption de la grossesse à la 25e semaine vivrait avec l'aide de Dieu. Et je remercie beaucoup Dieu et beaucoup plus ce qu'il a accompli aujourd'hui.
et la qualité du service que mon collègue nous a offert. J'étais normale, comme toutes les mamans. La grossesse aussi évoluait très bien, jusqu'au jour où Dieu en a décidé qu'elle vienne. Elle s'appelle Elle Éloué Prodige. Le directeur général de Moncolé sollicite l'accompagnement du gouvernement central. Si nous réussissons cette mission, c'est parce que d'abord nous sommes hôpital général de référence de la zone de santé de Mongafula. Comme vous le savez, la mission de pouvoir soigner les populations est d'abord une mission de l'État congolais et nous contribuons à cette mission en étant partenaires. Et on a parlé ici de la nécessité de pouvoir accéder à certains produits qui sont coûteux, mais qui facilitent la prise en charge des prématurés. On a parlé essentiellement du surfactant qui est probablement pour cette catégorie de patients l'or rare pour réussir à accomplir cette mission et d'avoir plusieurs opportunités de fêter ce genre d'événement. La petite fille miracle quitte l'hôpital général de référence de Mongafula, Moncolé, après 75 jours et a atteint 1600 grammes. Cet exploit dans la prise en charge de ce primate de 500 grammes arrive quelque temps après celui né avec 630 grammes dans la même formation médicale. Un bébé prodige, voilà qui redonne de l'espoir. Le nouveau président de la Fédération des entreprises du Congo et son comité national déterminé à accompagner les activités de l'ARSP, cette structure qui régule la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, aussi ressort de la réunion de la commission paritaire ARSP-FEC ce jeudi. C'est une importante séance de travail qui a vécu aujourd'hui à la direction générale de l'autorité des régulations de sous-traitance et qui a réuni autour d'une même table le nouveau président de la FEC, accompagné de son comité national, le DG de l'ARSP et ses collaborateurs, le PCA ainsi que le représentant du ministre de l'Entrepreneuriat. Voilà ce qui compose donc la commission mixte paritaire. Pendant 3 heures, ces échanges ont porté notamment sur l'évaluation des lettres de recommandation des sous-traitants pour l'obtention des marchés, ce qui fera d'ailleurs objet du prochain contrôle au sein des sociétés principales, et la publication imminente du guide sectoriel déterminant le champ d'application de la loi sur la sous-traitance en RDC pour une mise en application efficiente. D'ici la fin du mois, il y a un guide sectoriel qui va être signé. Le travail est en cours. Je pense qu'avec ce guide, ça va donner encore un peu beaucoup plus de la lumière, de façon que les choses se fassent beaucoup très bien. Nous conseillons les entreprises membres de respecter les lois de la République. Elles doivent être respectées. Au cas où il y a un problème sur l'interprétation de ces dernières, nous avons les experts de part et d'autre qui doivent se mettre à la table pour nous montrer s'il y a difficulté ou pas. En ce qui concerne les sociétés principales qui se cachent encore derrière un débat dépassé sur l'interprétation de la loi, Miguel Cachal précise. L'ARSP, je peux vous rassurer, qu'il n'est pas en dehors de la loi. Tout ce qui est fait conformément à la loi qui régit l'ARSP. Aujourd'hui, enlever la fourniture dans la loi sur la sous-traitance, c'est fini, on tue la sous-traitance. Parce que 90% de la loi sur la sous-traitance, c'est la fourniture. 2024 s'annonce donc comme étant une année très déterminante et des grandes actions en faveur des sous-traitants selon la vision du chef de l'État, mais avec l'accompagnement de la FEC à marteler l'honorable Miguel Cachal. Pas une seule goutte d'eau n'a coulé des robinets depuis bientôt 5 mois au quartier Sangamamba, commune de Mongafula. La cause, ce sont les tuyaux de la régie des eaux non raccordés depuis la réhabilitation de l'avenue Bumba. Mini-enquête de Christine Lenzo. Nous sommes sur l'avenue Bumba en allant vers la rivière Kiss au quartier Sangamamba, commune de Ngaliema. Ce flaque d'eau trouvé sur place n'est pas une rivière, plutôt une source formée par la rupture d'un tuyau de la régie des eaux lors des travaux d'asphaltage de la dite route reliant Upen à Sangamamba. Depuis lors, les habitants de ces coins vivent dans la souffrance totale. Ils sont appelés à transporter l'eau à de longues distances sur la tête dans les chariots, moto ou véhicule, car l'eau potable ne jaillit plus. Jusqu'ici, la desserte en eau potable par le robinet était tout à fait courante. Mais à la suite de travaux effectués par les Chinois, tout est devenu très difficile. À la difficulté de la recherche de produits à vendre vient s'ajouter celle de l'approvisionnement en eau potable.
L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cette denrée, depuis le mois de juillet dernier, devient de plus en plus rare et introuvable au quartier Sangamamba, entre Verkis, Promobat et Don Bosco. Même les forages installés ça et là par quelques volontaires, véritable secours pour les ménages, ne fonctionnent presque plus faute d'électricité. Les familles sont contraintes à faire de longues distances pour se procurer de l'eau au niveau de l'UPEN. Là aussi, un bidon d'eau de 25 litres se vend à 500 francs congolais. D'autres, par contre, préfèrent s'arrêter sur cette rivière de fortune. Même sale, cette eau est consommée, voire utilisée pour la cuisine et autres nettoyages. Même les élèves se réveillent très tôt pour trouver de quoi se laver. À Sangamamba, c'est vers 4h du matin que les forages et autres lieux de desserte en eau potable se trouvent remplis. Les familles alignent les bidons, bassins, seaux et autres selon l'ordre d'arrivée. Dans les forages, comme chez les détenteurs des robinets, l'eau se vend entre 250 à 500 francs congolais par bidon de 25 litres. Lorsqu'on y ajoute les frais de transport par bidon, la somme à payer perturbe les paniers de la ménagère, surtout pour les familles, ne détenant pas un pouvoir d'achat conséquent. Généralement, lors des travaux de réhabilitation des routes, les équipes de la régie des eaux devraient aussi être sur terrain pour de probables interventions en cas de fuite d'eau et autres. Il est donc grand temps de trouver une solution à cette carence d'eau à Sangamamba pour préserver la population de ces coins de la capitale de plusieurs maladies. Affaire à suivre. Et en réaction à cet élément, le directeur général de la régie des eaux dénonce le déterrement des tuyaux. Pénurie d'eau dans trois quartiers de Sangamamba. La population, récipient d'eau sur la tête ou dans un chariot à la recherche de cette denrée devenue rare, pointe du doigt. L'entreprise chinoise Grecuit qui a exécuté des travaux de réhabilitation dans ces coins du quartier Bumba. Cette entreprise aurait cassé et déterré les tuyaux de la régie des eaux pour faire passer ses engins. L'entreprise de construction Grecuit qui fait les travaux sur cette route, probablement sous couverture de l'Agence congolaise des grands travaux, a cassé la tuyauterie de la régie des eaux. Ce n'est pas le seul endroit où les travaux de construction ont endommagé le réseau de la régie des eaux. Et les coûts de réhabilitation, de réinstallation de ce réseau, il est assez élevé. Ce n'est pas à la régie des eaux de mettre encore la main dans la poche pour refaire ce réseau. Les discussions sont en cours. Nous faisons deux démarches. D'un côté, nous négocions avec Grecuit, mais de l'autre côté, nous nous préparons aussi pour aller en justice si dans le cas, on ne trouvait pas un terrain d'entente avec Grecuit. Contactez les responsables de la régie des eaux qui déplorent les désagréments causés à ses abonnés ont déjà introduit trois factures auprès de Grecuit pour permettre à la régie des eaux de tout réparer. Ces factures restent encore non payées jusqu'à ce jour. Quand une entreprise fait des travaux de construction dans votre quartier et que vous trouvez qu'il y a un danger d'endommager les tuyaux de la régie des eaux, vous trouvez qu'il y a un déficit déjà dans votre fourniture d'eau parce que ces tuyaux sont endommagés, nous vous en prions, venez contacter la régie des eaux dans le quartier le plus proche immédiatement. Aux entreprises de construction aussi, il est très normal et nous apprécions le travail que vous faites en réhabilitant le réseau routier de la ville de Kinshasa. Nous en avons tous besoin. Nous vous prions, contactez-nous avant de creuser. Le directeur général de la régie des eaux, David Tulumba, qui avait à ses côtés les DGA, Jean Bosco Mwaka Indele, appelle la population à la vigilance et à saisir la régie des eaux pour empêcher ce genre de désagréments. Ces explications étaient aussi données aux habitants du quartier Sangamamba, partis se plaindre auprès de la direction la plus proche. Occasion pour les habitants de ces coins du pays d'interpeller les autorités de la RDC pour que cette entreprise chinoise honore ses factures qui vont faciliter à la régie des eaux à faire aisément son travail et desservir de l'eau potable à cette population dont la vie est perturbée par le manque d'eau.
Rapidement deux communiqués avant de nous quitter. À l'issue de la réunion tripartite CESAC, RTNC, Renatelsalt, tenue ce mardi 9 janvier 2024 à propos de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce week-end en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication rappelle aux médias émettant en RDC les dispositions suivantes. L'exclusivité de la retransmission de tous les matchs en RDC est réservée à la radio-télévision nationale congolaise. 2. Tous les médias désireux de retransmettre la CAN doivent requérir l'aval de la RTNC. 3. Tout acte de diffusion illicite ou de diffusion frauduleuse du signal de la RTNC et de tout autre diffuseur reconnu sera sanctionné par le CESAC en collaboration avec le Renatelsat et les autres distributeurs. Le CESAC, qui a notamment la mission de protéger la presse, invite tous les responsables des médias émettant en RDC de se conformer scrupuleusement à ses dispositions sur la CAN 2023. Voilà le deuxième communiqué, le programme des obsèques du président honorable et émérite de la Cour suprême de justice, Mutombo Kabelu Saturnin. Le cabinet du premier président de la Cour de cassation informe le public en général et la famille judiciaire en particulier que le programme des obsèques du président honoraire et émérite de la Cour suprême de justice, Mutombo Kabelu Saturnin, décédé à Kinshasa le 22 décembre, se présente comme suit. Jeudi 11 janvier 2024, veillée mortuaire dans la salle Via Noa, 6 avenue Chaoumba, en face de l'Izipa, dans la commune de la Gombe. Vendredi 12 janvier, 8h, levée du corps de la morgue de l'hôpital cinquantenaire pour le recueillement et les absoutes. Voilà. 23h, vous retrouverez Gaëtan Magalano. Le journal a été coordonné par Marthe Mangaza, assistée de Yolande Voka. Bonne suite de programme en compagnie de la RTNC. Bonsoir.